Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et puis, Woodley Etéar, alias Sonson La Familia, la justice haïtienne tape cherché, joint arrestation samedi 15 mai 2021 dans la République dominicaine et au remettre by la police en Haïti dimanche 16 mai 2021. Yo tape cherché Sonson La Familia depuis l'année 2019 après la Cour cassation a été prononcé un jugement dans mois mai 2018 contre lui qui était mandé pour yo retourner tournel dans prison, yon façon pour le réjuger devant tribunal criminel pour zak yon reproché avant yon tant kou kidnapping, blanchiment l'argent ak trafic drogue. Actuellement, Woodley Etéar alias Sonson La Familia nan Gadavi nan DCPJ en attendant yon voye li devant tribunal d'après autorité la police. Bureau secrétaire d'État communication a condamné Zach assassinat qui fait sous Jude Maurice, sécurité qui attaché à ministre à communication en Pradel Henriques, à soir samedi 15 mai 2021 dans Delma 75. Bureau a voué condoléances li by famille ak zami sécurité ministre Henriques qui affecté notre tragédie ça. Bureau a mandé autorité judiciaire ak policier yo fait tout ça qui nan pouvoir yo pour identifier et puis été ôté à qu'un complice crime ça. Trois monde perdit la vie, cinq disparaissent et puis joignent 11 l'autre qui pas mouri. C'est bilan directeur général Semana Eric Prévost Junior Bay lundi 17 mai sous naufrage qui passait dans le golfe Lagonave samedi 15 mai passé. Directeur général là dans moment il t'a expliqué drame nan annoncé, li pral continuer chita parler à autorité dans localité à marin à capitaine Batoyo dans l'idée pour prendre bon jambe pour empêcher incident sa yo reproduit. Yon extrêmement micro, Louis-Mel Jean-Louis ak Max Joseph. Capitaine Batoa, par négligence, te laissé comme qui m'a le Batoa dans le poil, te quitté la prene de l'eau sous la mer. Eh bien, comme ça, t'as mari nan hélice yon nan et moteur yo, parce que Batoa sa a gen trois moteurs. Eh bien, pendant que t'as fait manœuvre pour t'as résolu, pour bien mal te éteindre l'autre moteur, ça veut dire que moteur qui était prêt à l'hélice là plus de l'autre moteur qui était en marche là, et bien ça veut dire que l'eau qui était derrière le bateau qui t'a suivi là, et bien l'eau ça a été commencé à rentrer dans le bateau. Entre 30 secondes et une minute, le bateau ça a été coulé. Nous, la population qui t'a tendu par un aux amis qui était dans le bateau ça qui était pour venir, ni bateau tout était derrière net, a fait comprendre que le bateau ça a été arrivé déjà le lendemain matin. Et très tôt, garde-côte haïtienne, ensemble avec et différents partenaires, amis, familles, capitaine bateau, marin, pêcheur, dans la zone Nagonav, ils ont tout d'abord été mis pour commencer à faire et chercher les gens qui étaient dans le bateau. Ça. Et très tôt, nous avons gagné deux survivants qui étaient allés échouer dans une zone qui est les étroits aux étangs. Eh bien, c'est là où nous avons joint deux survivants. Et ça a commencé par espoir de l'autre monde que Daka continue à chercher. Jusqu'à aujourd'hui, il y a parlé, et lundi 17 mai, et bien, nous arrivons à gagner 11 survivants jusqu'à présent, et 3 morts, et l'autre 5 morts, nous continuons à chercher. Nous continuons à la recherche d'eux. Citoyens, pour raison pour l'autre, nous n'avons pas là. Et pour permettre que Semana bail autorisation de partance là, ils ont mis gilet de sauvetage là, et mais courir vers une certaine distance dans la mer, ils ont retiré sous prétexte que gilet de sauvetage là chaud et gilet de sauvetage sale. Ce n'est pas la première fois que Semana est allé en Sagalé, allé à Caries, chita, discuter avec l'autorité, nous qu'on accompagne des magistrats, de la police, de juges, de AZEC, KAZEC, et nous qu'on réunit avec capitaine de bateau, marin, pêcheur, pour prendre des mesures pour que bagaille ça ne va pas arriver fait.
Mais cependant, et toujours gagner des belligérants et il y a des gens qui pas veulent respecter la loi, qui pas veulent tendre et ça ce m'a dit et m'a encore une fois nos des populations pas monter en mer, pas monter bateau sans gilet de sauvetage parce que seul gilet de sauvetage là qu'a permettre même sauter d'Aïva, même sauter tu qu'on nager pas sans baronner, mais seul gilet de sauvetage là qu'a garantir sûreté pour arriver soit à bon port, soit si il y a un naufrage quelconque ou accident, eh bien, il est capable de venir récupérer ce qu'on a venu à temps pour venir et pour tout ce coup. Nous avons annoncé Lina Antikyo, directeur bureau communication, conseil électoral provisoire Richardson Dumel, présenté lundi 17 mai 2021. Diverses étapes membres KEPA déjà franchies dans le cadre de préparation référendum 27 juin Cap Vinila. Directeur communication fait connaître, membres KEPA déjà mis en place bureau référendaire départemental à communalio. Ils ont déjà fait diverses séances formation pour même stricti déconcentré. Il y a extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Max Joseph. Le conseil est capable d'arriver dans le jour 27 juin, gagner un ensemble de décisions du point de vue structurel et institutionnel et de prendre, à savoir si l'été en place structure déconcentré. Les bureaux référendaires départemental à bureau référendaire communal. Processus ça qui a commencé depuis le mois de janvier 2021, qui était abouti dans le mois de mars par installation d'abord des membres des bureaux référendaires départemental à bureau référendaire communal. Normalement, pour la période de référendaire, c'est bureau électoral départemental que nous connaissons sur la bête qui vient suivant disposition des prêts référendaires, bureau référendaire départemental. Et dans le règlement général, Bête Layo, c'est eux-mêmes qui représentent le conseil dans le département. Et c'est eux-mêmes qui ont fait mise en œuvre toute décision conseil dans le département. Et du bureau référendaire communal, c'est même rôle-là, c'est même mission que les guerriers. Et depuis BRDO et en fonction, il y a déjà diverses séances en formation qui ont déjà fait pour eux. Et dernière séance formation de suivre là, sont faites à sortir 12 mai pour arriver 14 mai et qui sont passées à là. Et dans le week-end, c'est-à-dire samedi, qui c'est le dernier jour, mais c'était une expérience pratique pour lesquelles nous avons participé dans nos visites guidées. Dans le centre d'abulation vote. Et comme nous sommes capables de constater, il y a un matériel qui arrive et qui montre qu'effectivement, le conseil électoral provisoire a avancé dans toute mise en place pour le processus. Donc, matériel sensible et non sensible. De l'autre côté, porte-parole conseil électoral provisoire, Hubert Jean annoncé, il y a divers matériels non sensibles et puis sensibles qui déjà arrivés dans le pays, qui ont pour l'acclant indélébile, kit pour formation, téléphone, matériel informatique. Porte-parole a fait qu'on est, il y a l'autre cargaison matériel qui a rentré dans le pays, mercredi 19 mai, qui a la donne, urne, isoloir, kit pour formation. Porte-parole KEPA a expliqué, il y a modification qui fait dans le règlement KEPA pour une plus bonne gestion processus référendaire. On suit. En tout cas, matériel, mon sens, c'était 24 050 bouteilles d'eau indélébile à 2 950 kits pour formation. Rien pour une quantité 2 000 téléphones intelligents avec matériel informatique pour son tabulation voiture. Matériel sensible,
concernant diverses qualités procès-verbales pour faire formation personnelle vacataire. Et une autre cargaison qui a montré mercredi 19 mai, la guerre là-dedans, 12 000 kits matériels non sensibles, tant pour une, dans la ville de comme en français, une, 12 000 kits matériels non sensibles, 12 000 isoloirs pour bureaux virtuels, à 3 000 kits non sensibles pour diverses séances formations. Sous plan légal, on va pouvoir réglementer le conseil-là, lui modifier à plein divers règlements pour permettre de gérer plus bien le processus référendaire. Par exemple, règlement sous contentieux référendaire, sous observation pendant le processus-là, à accréditation journaliste. Il y a un règlement qui a plein tout sous voie diaspora. Dans le référendum, c'est règlement ça qui a dit qui côté vote là a fait, comment l'a fait et l'a crié. N'a fait la population connaît à la Rombade, la presse et spécialement connaît, conseil là, ensemble à une ops, fini travail évaluation, souterrain, car il y a évalué son contrôle, une ops, bon côté parle, a évalué l'état routier. Parce que l'opération logistique, c'est lui qui a assuré tout sous contrôle caribéen. Dans l'idée pour permettre à la population de connaître et puis comprendre qui s'acquit en d'un document avant projet nouvelle constitution, le comité consultatif indépendant en mai, lundi 17 mai 2021, deuxième phase débat sous avant projet constitution. Débat ça qui réunit plusieurs monde dans différents domaines, des chita sous régime politique et spécialement pouvoir exécutif là. Louis-No Pierre-Louis, yon membre CCI qui était sous panel là, intervenu sous régime semi-présidentiel là et puis fait connaître pour qui ça li doit changer. Marie Dieudonne Hertelou. Gouvernement panouan li dépend de deux chambres qui doivent déjà valider comme gouvernement, c'est-à-dire ballon vote de confiance, yon kabayli, l'autre kabayli. Ce n'est pas du tout le cas dans l'autre système. Et ensuite, chaque chambre qui a renversé le gouvernement, séparément, ce n'est pas du tout le cas dans l'autre gouvernement. Donc, ensuite, et dans dans le cas français, par exemple, qui est capable de rassembler avec Panouan, le gouvernement ne dépend de deux chambres. Il y a deux chambres, effectivement, le Sénat, la Chambre députée qui est l'Assemblée nationale. Le gouvernement responsable devant la Chambre députée, mais pas responsable devant le Sénat. Le Sénat n'a pas qu'à renverser le gouvernement. Donc, l'État va sembler avec le système britannique, au fond, il n'y a pas du tout, ça n'a pas rien pour eux. Premier point qui pose des problèmes, député Panouan n'a pas qu'à venir ministre. Député, on député français, on député anglais, il n'y a pas qu'une séparation véritablement entre gouvernement, exécutif, gouvernement et parlement de ce point de vue-là. Ensuite, gouvernement Panouan n'a pas qu'une emprise qu'un pouvoir sous parlement. Nous importons un régime, en tout cas un modèle, nous prenons forme, non, c'est comme si on prend enveloppe là, mais fond ou pas prendre. Au niveau exécutif là, pour qu'on parle, entre premier ministre là et président, mon paysage franco-français et population, citoyens, ils ont des attentes par rapport au président, ils ont des attentes par rapport au premier ministre. Ils ont qui ça pour attendre de président, ils ont qui ça pour attendre de premier ministre. Professeur, nous, une minute. Ok. Donc, dans le cas par nous, en fait, c'est que vous gagnez population, dans tête pâle, le premier ministre, c'est comme s'il pas existé, et que ça que lui connaît comme monde que il a la responsabilité, c'est chef d'État. Si pas gain l'appli, si gain mauvais récolte, si gain sécurité, si gain n'importe qui bagage qui gain, c'est président, il y a tant qui bagage réponse. Or, président, dans la façon que nous concevons, le président n'a pas gain qu'un levier gouvernemental dans le même. Donc,
c'est déjà en source de conflit parce que le président a un poids qui pèse sur lui. Il fait des promesses, mais il n'y a pas de levier dans main pour être capable de délivrer. Et que le Premier ministre qui a un levier dans main, et en fait, il n'y a pas toujours une majorité pour soutenir dans le Parlement. Donc, alors, nous devons être en pile sous point ça, peut-être ça capable permettre nous une méthode là, qui fait que nous sommes obligés. Alors, deuxième, peut-être qu'il va être une minute, mais pas pour peut-être une minute et 30 secondes, et que pour le gouvernement, ou pour l'autre variable qui fait que la façon que nous voulons faire le gouvernement, il ne vient pas qu'à faire, parce que ou pas en pile grand parti qui est capable de gagner une élection et donc faire un gouvernement comme dans le système français, comme dans le système britannique ou même dans l'autre système des parlementaires ou bien semi parlementaires. Qui fait qu'on est immédiatement parti au tel que depuis 1988 jusqu'à présent, quasiment le Premier ministre s'est toujours choisi en dehors de la règle du parti majoritaire. Et donc il faut qu'il cherche, en plus il faut qu'il aille chercher on soutien au Parlement. Qu'on allait obliger finalement marchander, acheter et troquer des postes pour être capable de joindre en soutien au Parlement. Donc, qui fait que l'organe variable, ça y est, donc, la façon que nous avons fait le gouvernement, n'est pas possible. Donc, nous sommes obligés de joindre une formule qui est adaptée à contrainte ça. Et puis Renaud Hippolyte avec Price et Cyprien, ces deux panélistes qui étaient intervenus sous régime politique pendant l'échange. Ça. Renaud Hippolyte, dans l'intervention, l'a fait connaître à travers la nouvelle constitution, ça, régime présidentiel là, pour permettre chaque pouvoir assurer responsabilité. Yo. Professeur Price et Cyprien mettait accent sur les conditions qui réunissent pour nous gagner un bon état et puis parler sous faille qui gagne dans la constitution 80. Là, qui la cause pays a pas qu'avancé. Il y a extrait. Constitution, les supposés émaner toutes règles qui peuvent permettre que pouvoir l'y exercer par rapport à obligation qui fait à acteur qui pour permettre que peuple a lui-même lui joigne résultat. Alors, c'est dans phase ça qui vient permettre que je dis à les nouveaux textes qui permettent que non seulement exercice pouvoir, ensemble des pouvoirs, qu'il soit pouvoir exécutif là, pouvoir législatif là, ou pouvoir judiciaire là, yo joué rôle yo. Pourquoi? Parce que lorsque nous toujours apprenons une sorte d'excès côté prérogatif, yo toujours absauté. C'est-à-dire que nous parfois qu'on gagne un certain mélange entre prérogative pouvoir législatif là par rapport à pouvoir exécutif là ou encore on t'a dit acteur pouvoir exécutif yo a essayé empiéter sur le terrain du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Donc lorsque texte ça lui-même pral on t'a dit fait une remise en contexte de responsabilité chaque pouvoir, yo. Côté que contrairement à ça, on monte qu'à imaginer, lui, pour le permettre que non seulement parlementaire, qui l'a cap légiféré, cap, et dit, fabriqué en quelque sorte loi, yo, mais exécutif là tout, lui, gagne un contrôle qu'il a exercé, vice-versa, côté que yo capable renvoyer certains textes comme des lois et organiques qui capable et passer sous contrôle de la Cour constitutionnelle. Je ne veux dire, qui ça fait nous là toujours? Qui ça fait nous obliger Chita pour nous parler de pays nous, pour nous parler de régime politique, pour nous chercher qui ça nous besoin, qui ça nous arrive à faire, qui sont nous capables d'avancer avec le pays. Nous connaissons que en 86, nous sommes sortis en bas d'un régime autoritaire. Un régime qui fait pratiquement 30 années dans le pays, à diriger avec une discipline de fer. Eh ben, après 86, dans qui ça nous tombait?
nous tomber dans un système de déstabilisation systématique, une déstabilisation chronique en dans pays, ça nous relie une bamboche démocratique. Donc, nous voter par référendum Constitution 87 là, pensant que changement pralvini à partir de là, mais nous, nous t'es mal parti. Nous parti dans une bamboche démocratique qui fait que plus de 30 ans après, n'a recommencé. Ah ben, c'est dans brasser l'idée ça yo que n'a pas fait sous nouvelle constitution hein, qui répond à aspiration peuple haïtien. C'est à partir de démarche ça yo que nous pral connait, nous pral dit nous-mêmes en tant qu'haïtiens qui sont en nation qui partageait même l'état. Nous pral dit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, mais qui côté nous-mêmes, haïtiens, nous voulons pour pays nous. Et puis, travail, réhabilitation, système de l'eau potable, dans le cadre du projet EPADLA lancé dans Vallée-Jacmel, vendredi 14 mai 2021. Même commission communale, divers cadres dans DINEPA, t'es présent pour annoncer lancement travail et puis pour tes précisions sous projet A pour habitants Zonio Nouchine, Cherichel, Danilus Théodore, Contrandi. À travers projet ça, DINEPA pour le réhabiliter système de l'eau potable Vallée-Jacmel-là qui était constitué dans l'année 1990 mais qui suspend fonctionner. Directeur général DINEPA, Guito Edouard, invite chaque citoyen contribuer dans gérer et puis protéger le système ça. Sans collaboration, chaque monde qui est dans la commune, quel que soit l'effort que DINEPA fait, n'est pas suffisant. Quel que soit l'effort, le reste la fait, li pas suffisant. C'est ça qui fait que dans ce sens, nous demandons collaboration chaque monde. Soit revendiquer une route qui n'est pas confinée, pas faire agression sous tuyau nous. Soit revendiquer l'autre service qu'on pas rejoindre, pas saboter le système nous. Parce que nous jeunes, on doit environ 128 millions de gouttes pour faire réservoir. Et puis on doit 600 000 dollars pour faire un réservoir qui a une capacité de 132 000 gallons. Mais toute agression qu'on fait dans le système, on ne doit pas permettre nous de nous donner notre corps pour nous réparer. Travail sa yo di n'est pas lancé dans Vallée-Jacmel fait suite à revendication population. Une membre commission communale là, Marie-Hélène Filippo, remercie di n'est pas qui permet Vallée-Jacmel bénéficier programme non. Directeur au repassé de la Philippe Eliscar et puis responsable projet et part de la David Dessieux, placé travail sa yo dans contexte yo. La Vallée-Jacmel, le système d'abduction de potable qui est conçu depuis l'année 90. Problème de gestion. Fait que le système de pompage ça, dans un premier temps, le tombe en panne, dysfonctionnel. Et ensuite, avec la volonté qui t'a fait la ville là, elle vient d'un paquet de tuyaux au niveau des réseaux de distribution qui t'a endommagé, qui fait que depuis 15 ans, la vallée de Jacmel n'a pas gagné. Grâce à dynamisme directeur général, là, grâce à projet et à coordination projet EHPAD là, d'une États-Unis, d'une réhabilitation de ça, et permettre à plus de 15 000 personnes dans la ville de la vallée de Jacmel et localité avoisinante à bénéficier de précieux liquides qui sont de l'eau. Ensemble de projets que le président EHPAD a supporté, nous répondons à un besoin qui traduit comme nécessité qui gagne pour que nous la vallée il y a accès à l'eau potable. Dans le monde de l'eau, ça veut dire l'eau de l'eau, la quantité que l'eau de et côté que l'eau de projet par de là qui lancé dans Vallée-Jacmel pour aller panier habitants yo, en pile sacrifice yo te kon fait pour joindre l'eau, d'après quelques nan yo qui exprimé contentement yo pour travail sa yo qui lancé. C'est un bienfait pour nous-mêmes, parce que nous, la vallée située dans
en hauteur d'altitude qui est élevée. Donc avec ça, nous sommes en difficulté pour que nous joignions de l'eau en tant que bénéficiaire pour nous servir la vallée. Nous-mêmes, nous prêts pour nous bailler et participation par nous, jeunes capables pour que le projet soit capable de réaliser au bénéfice de toute petite la vallée. Ça fait longtemps que zone la vallée, nous avons souffert en pile, côté que nous n'avons pas de l'eau potable pour nous boire. Nous avons 2 km pour nous battre, pour aller chercher de l'eau, et parfois c'est de l'eau la pluie. Surtout la pluie pas tomber, même c'est... C'est un problème pour mon Dieu. Nous pour projet à cœur et nous avons prié bon Dieu pour le projet à réussir. Et par ce projet de l'eau potable et assainissement d'amélioré rural durable, Direction nationale de l'eau potable et assainissement d'Inepapoté pour département Sud, NIP à Grandance. Film Burek, c'est film qui a exécuté travail qui t'emmène dans Vallée Jacmel. Et puis c'est comme à Techniplan, c'est film qui a supervisé travail. Le projet ça a bénéficié financement Banque mondiale pour un valet 113 millions de gouttes. Axis 100 000 dollars américains. Ministère Santé publique et population fait connaître 60 nouveaux cas COVID-19 qui confirmés dans date 14 mai 2021. Dans notre ministère mettait dehors dans date 15 mai 2021, il fait connaître un total 13 520 cas confirmés, 1955 monde qui passaient l'hôpital, 274 monde mouri et puis 12 437 l'autre traité. Ministère Santé publique et population continue à encourager population à respecter principes d'hygiène pour capable éviter de trapper COVID-19 là pendant les salier mémoire compatriotes qui victime. Et puis président République là Jovenel Moïse présidé une réunion avec autorité santé sur façon ak moyen yo doit appliquer mezi pour empêcher COVID-19 là gagner dans pays. Rencontre ça qui réalisé lundi 17 mai 2021 fait après ministère santé publique à population dit li détecter existence variant anglais ak brésilien COVID-19 là sur territoire national là. L'autre nouvelle, crise sociale et politique haïtienne, c'est sous thème ça, rectorat Université d'État d'Haïti lancé lundi 17 mai 2021, forum permanent UEH. Initiative ça visée pour professeurs et étudiants débattre sur plusieurs dossiers. Sociologue urbain montré depuis une trentaine d'années, pays d'Haïti a connu une crise politique qui affaiblit la majorité institutions étatiques. En suite. Le moment politique a été raté pendant les 30 ans que nous avons connus de 86 à nos jours. Le moment politique a été raté pour diverses raisons, pour lesquelles je ne pourrais pas intervenir là maintenant, mais quelles que soient ces raisons, on reconnaît ce fait que précisément nous sommes arrivés à un point où la situation que nous vivons est celle de la destruction des institutions. C'est ce que j'appelle l'effondrement à la fois. Ça produit deux choses. L'effondrement de l'État et deuxièmement, l'effondrement du lien social comme tel. Effondrement de l'État parce que les institutions qui sont rejetées l'une après l'autre, le Parlement, le système de la justice, les systèmes de contrôle, etc. La police aussi, etc. Donc nous connaissons toutes ces institutions. Toutes ces institutions servent à quelque chose. Elles servent à limiter les pouvoirs de l'individu, précisément les pouvoirs de l'individu de suivre uniquement une trajectoire plus ou moins personnelle. C'est-à-dire, l'individu face aux institutions doit comprendre que les institutions le dépasseront et qu'il ne peut pas se contenter d'aller au-delà des institutions. Sa vie à lui est limitée, tandis que les institutions permettent une sorte de transcendance de sa propre vie individuelle. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, tout est capable dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord?
Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.